Eh ben, on va aller plus rapidement que d'habitude. On va dynamiser la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour tester ce livre 90 recettes cultes en 3 coups de crayon barré. On est sur les éditions Larousse, sur un prix qui est de 10,95€, parce que c'est un livre qui est très concis. Prenez le sommaire. Il est divisé apéro entrée, viande volaille, poisson et fruits de mer, plat végétarien accompagnement, dessert. Ensuite, on arrive directement à l'apéro. Donc là, avec des recettes, on arrive aux différents thèmes, tac tac tac. Ensuite, fin du livre, on tombe directement sur index par ordre alphabétique, puis index par aliment. Dernière page, les crédits photos, la directrice de la publication, directrice éditoriale, c'est un groupement de livres. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur le livre, clair, concis, rapide, comme les recettes, qui sont très jolies. Petit dessin, photo, généralement 4 à 5 étapes, eh ben c'est parfait. Moi, j'ai choisi de tester le poulet teriyaki, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir 2 cuisses de poulet, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 citron, 1 cuillère et demie à soupe de sauce soja, 1 cuillère de sucre, 1 cuillère et demie de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de graines de sésame et du gingembre. Je commence par mélanger le sucre, la sauce soja, le vinaigre de riz, le jus de citron, le gingembre et l'huile de sésame. J'incise le poulet sur le dessus. Je mets à mariner le poulet environ 4 heures. Ensuite, dans une plaque avec du papier sulfurisé, je dépose le poulet avec la marinade. Je cuis le tout 50 minutes en arrosant, attention, régulièrement. Et c'est terminé. Voilà le poulet. On va le refaire. Voilà, la recette du poulet teriyaki est terminée. Elle est très bonne. Foncez sur ce livre si vous voulez quelque chose de concis, rapide, de illustré. Je mettrai ces infos dans la barre d'infos tout simplement. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo de recette. Une très bonne journée, mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et mon Insta, Facebook et Instagram, c'est dans la barre d'infos. À mercredi. Ciao.